ça. Maman est en commun à Naïti pour gérer mes soucis. Moi aussi, je peux pas laisser mes soucis pour gérer tes soucis. Sans soucis, si tu veux, faut pas m'aimer. Sans soucis, moi aussi, je veux pas t'aimer. Maman est en commun à Naïti. Ouya, ouya. Dans la vie, chacun a ses soucis. N'y a pas un toi qui laisse tes soucis. Pour venir toujours, toujours me soutenir. Ma machine est une buggy, c'est une gâtée. Ta machine? Ouais. Ton ordinateur que tu prends pour travailler? Ouais, mon ordinateur. Ah, mais ça, c'est... il faut qu'elle ait rapidement pour ne pas que ça se gâte. Oui, il te dit le truc quand il se gâte. Attends, toi, mais devant machine gâtée, mais qui va payer machine gâtée? Le truc quand il se gâte. Ouais, mais ça, ça buggy, ça fait le truc. De façon, même si ça bug, c'est que c'est pas encore gâté. Bon, enfin, on peut aller vendre ça rapidement. C'est pas du sou. Ah, toi, il y a quelqu'un qui peut vendre, tu vas acheter ça. Ah, oui, ah, plein. Moi-même, il y a déjà Kenny, plein de choses qui sont déjà gâtées, même. Mais comme tu dis que ton ordinateur n'est pas en train de se gâter, on pourra aller gérer ça avec lui. Joe, la fois, c'est un jeton, même moi, c'est blessé à l'aile. Donc, c'est un bon jeton. Joe, c'est que ça, on fonce en même temps. Joe, pardon, allons. Oui. Non, écoute, allez toucher. Faut toucher. Soupi Zareta, le coron de coron, le vieux père de vieux père. On dit quoi, vieux moron? Salut mon vieux père. Bonsoir, vieux père. Ah, vieux père, on a un ken plutôt au-dessus, hein? On a un ken pour moi. Ouais, comme d'hab, tu connais affaire. Hein? J'espère que c'est pas les fausses marchandises, hein? Non, tout sauf ça. Tu sais que je prends pas les marchandises volées? Non, tout sauf ça. Tu sais que nous, on n'est pas dans ces domaines-là. Donc, on te présente le truc. C'est une bonne marchandise. Oh, tout à fait. Une bonne affaire. Tout à fait. Ok, déballe-moi ça. Ah, vu, ben voilà la marchandise, hein. Comme tu vois déjà. Ouvre-moi la marchandise. Je donne 10. Ah, oh, ben non, tu n'as pas fait ça. 10. Blackies? Je te parle pas à toi, ferme la négro. Ah, vu, ben faut se censer. 10, ça c'est trop peu. Faut faire au moins la moitié de 100. Donc tu es mangé. Tu es mangé. Tu as fait manger ce clown. Vous n'avez rien à manger. Donc je vais vous donner ça. Je vais vous donner 50. Je vais vous donner 50. Tout à fait. Tu sais que c'est. Tout d'abord, vous faites la salutation. La grande salutation. Allez, je vais entendre mon nom dans votre bouche. Je veux entendre les éloges. Faites la salutation. Zoubi Zareta, le maître des maîtres, l'ancêtre des ancêtres. Allez, répétez ensemble. Zoubi Zareta, le maître des maîtres, l'ancêtre des ancêtres. Fais-moi sur l'ordinateur. Fais-moi ça. Ah non, moi je me dis. Allez, foutez-moi le camp. Basta. Tu me salues pas, négro. Foutez-moi le camp. Je te dis, je t'ai pas vu. Ouais. Moi, quand je suis tapé la première fois, j'attends le temps de se revoir. Mais j'essaie de t'appeler, mais j'ai pas. Viens te rappeler, viens. Viens te rappeler. Chef, viens voir. Mais c'est quoi? Tu me tapes et puis c'est toi qui tombe. Chef. Ah, c'est quel problème ça, l'enfant? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chef. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais je communiquais, il m'a tapé et puis il est tombé. Vous êtes sérieux, il vous a tapé, c'est lui qui oui, tombe. Je te promets, je suis en communication. En communication? Oui. Ok. Oh. Ah, et vous pouvez regarder, je suis un agent de la police. Oui, chef. Voilà. C'est qui, c'est pas ça, c'est pas normal. Non, mais je t'assure, je ne peux pas te mentir. Non, c'est pas comme vous me mentez. Mais vous allez devoir donner des explications
à la police. Faut laisser faire les polices là. La cadre là et le soigner. Il y a mal. Ça me fait mal. La cadre là là. Donc là, monsieur, je pense que vous allez lui remettre quelque chose parce que ça va pas. Il demande juste une somme pour aller à l'hôpital, c'est tout. Dans le cas contraire, je vous coffre et puis on va régler ça à la police. Faut donner de l'argent pour soigner, faut laisser la police là. Okay, c'est pas grave, c'est pas grave. Je... Ouais, oh, il veut juste de l'argent pour lui donner. On va créer des problèmes. Il y a mal. Il y a mal. C'est ça me fait mal. Ça me tue. Comment ça me tue. C'est vraiment bizarre, hein. Quelqu'un qui me tape, et puis tout à l'heure, ne faites pas obstruction à la loi. Voilà. Je suis désolé. Quelqu'un qui me tape, et puis après, c'est lui qui tombe. Et puis... Mais c'est pas grave, je vais pas chercher des histoires. Hein. Vous êtes une autorité. J'espère que je n'aurai pas de problème après. Je vais donner 6000 francs. Voilà. Ok. Bon, moi, vous êtes une autorité. Non, vous n'allez pas m'apprendre à faire mon boulot, monsieur. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, vous faites, je vous coffre tout à l'heure. Allons, je vous accompagne. Franchement, ce pays-là, c'est un pays de merde. Ça me tue. Ça me tue. Allô mec, c'est El Lucho. Dis à tous les gars de se rassembler ce soir. Ok? D'accord. Bonjour chérie. Je suis Bala. Ah ok, on va où? Ok, je vous vois dans le quartier, vous me plaisez bien. Je peux avoir votre numéro. Oh, toi. Oh. Viens là. Qu'est-ce que tu fous dans mon coin, toi? T'es un enfoiré d'espion? Livrez-moi, c'est pas espion. La ferme. Non, moi, habite là, l'évier. C'est pas espion. T'habites où ça? Tu prends là, l'évier. Bon, ok, vide-moi tes poches. L'évier, moi, quoi? Dépêche-toi. L'évier, conscience, c'est un l'évier. Vite tes poches. Quoi, ça, l'évier? Qu'est-ce que c'est que ça? L'évier, conscience, c'est pas rond. J'ai plus moi, là, l'évier. C'est quoi ça? Je t'en dis, voilà. Tu te balades avec des capotes dans mon secteur? Tu es un pervers. Non, l'évier. Mais je m'en pervers, l'évier. Tu es un putain de pervers. Non. Il n'est pas pervers. T'es pas pervers. Ouais, les vieux. Et tu te balades avec des capotes. Non, on m'envoie même. On t'a envoyé. Oui. C'est mon chien qui m'envoie. Ouvre ta grande gueule. Et les vieux, vous c'est pas. Ouvre ta putain de gueule. J'ai dit d'ouvrir ta putain de gueule. T'as d'autres fait sucer par les nanas. C'est pourquoi tu te balades avec des capotes dans le secteur. Espèce de pervers. Hein? T'as pas d'argent et tu te balades comme ça. Avec ta petite kékénette. Si la prochaine fois tu supports encore dans mon secteur, hein, en train de te jouer les flébards, t'auras affaire à moi. Là maintenant, montre-moi la danse à la Houston Bot. Allez! Enfoiré. Saleté de merde. Négra. Ne tape pas d'opo. Reste pas levier. Ah, non, levier. Ada, tu me suis maintenant. Non, le père était super. En fait, était un peu de passage là. Voilà pourquoi. Ah, levier, mais c'est comment? C'est le chapson, hein. Tu me fatigues, toi. Eh, hey, le père. C'est à quoi le toit essaie de faire tout ça là? Tu veux me tuer? Non, le père. C'est mon sorcier. En fait, le père. Non, tu veux me tuer. Le père, écoutez-moi. C'est vrai. Vous avez pleinement raison. On t'inquiète à regarder ici. Non, en fait, j'étais un peu de passage, mais quand vous avez vu, il a voulu me retenir. Mais j'ai vu que. Adam, il y a des frappeurs. Non, en fait, c'est pas ça le but. Il y a des frappeurs. C'est nous entre moi. C'est nous. Voilà pourquoi, en esprit, je suis là même pour présenter mes excuses. Rapport à ce qui s'est passé hier. Tu vois, le père. Mais le père, avant ça,
pour mieux entamer la causerie. J'ai appelé un peu la vieille, mais c'est s'absolisait un peu quoi. Tu vois, mon bois, ouais, élevé, c'est rien. Et c'est ton fils. Voilà, bro. Madame, s'il vous plaît. Oh, je veux pas de peau. Oh, pardon, pardon. Yes. Ça me fait mal. Tu le bois, non? Oui, bois. Faut boire. Faut mais boire. Tu vas où, le père? Le bois, moi. Ah, le père. Donc, t'es-tu fâché contre moi? Non, tu veux boire, c'est ton lot, faut boire. C'est bien, faut boire. Le père, tu n'es pas fâché, hein? Non, c'est bien. Ok, le père, merci beaucoup, Levé. Non, Levé, bonne journée. Hein. Ouais, pas merci, papa. On ensemble, hein? Ok, la fois, Levé. C'est bien. Ah! Je veux pas de peau. Ton bagarre, hein? Eh, Levé. Attends, loupé. Eh, Levé. Levé, merci pour la boisson, hein? Il me tue, je dis là. Ah, pas de peau. Là, c'est mon vieux père. Bedouno nyango sembo fenga olugutisi tamachola to bedouno nyango borobo fenga olugutisi mogola dola to bedouno nyango nyabo fenga olugutisi mokoflela to bedouno nyango torobo fenga olugutisi pomala mela to bedouno nyango kumbo fenga olugutemirila olugutemirila Dobe dun nyango dabo fenga olutisi koma fo chola Dobe dun nyango sebo yenga olutisi chigitu lango nakala dia nakala emu fenga olutisi tamachola Dobe dun nyango borobo fenga olutisi mogola dola Dobe dun nyango nyabo fenga olutisi Mokoflela Dobe dunu nyango torobo fenga Olugutisi Pomala mela Dobe dunu nyango kumbo fenga Olugutimirila Olugutimirila Dobe dunu nyango dabo fenga Olugutisi Poma fochola Dobe dunu nyango Je ne veux pas de machette, tu m'as fait peur. Je suis venu te voir. C'est pourquoi? En fait, c'est trop de problèmes. Trop de problèmes. Il n'y a que les rembâches de mes business. Les gens me fatiguent, donc il y a besoin d'une bague pour disparaître. Donc toi, tu viens et puis tu me dis ce que tu dois avoir. Comment toi, tu sais que c'est une bague que tu dois avoir? C'est de ça que j'ai besoin. C'est toi le grand maître? Non. Tu t'étais. C'est vous. Ok. Bon. J'ai beaucoup de choses à faire. Tu dis ton problème, c'était quoi déjà? Je cherche une bague pour disparaître. Une bague. Ok. Mets tes mains. Sur les miennes. Grand-mère. Atoloam. Tagalag. Tikit. Tikit. Fem. Karaï. Tadam. Karaï. Tout le monde fait. Tchè. Tchè. Ouf. Tchè. Cette bague là. Tu dois la porter jour et nuit. Mais si tu as touché femme et puis c'est sur ton doigt, tu me connais plus. Non, moi j'aime pas femme. J'aime pas femme même. Grand maître, tu vous dois combien? Rien du tout. Tu peux partir. Grand maître, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ciao. Pour moi, elle devant. On est trop près même, quand même tu sais.
À la salle, c'est le championnat. Madame, s'il vous plaît. Oui, c'est pourquoi? On peut s'entretenir avec vous un instant. C'est pourquoi? Parce que je suis pressée. Au fait, nous sommes des hommes de Dieu. Vous voyez la croix. Tout à l'heure, dès que vous avez dépassé, l'onction nous a appelé à vous entretenir. Voilà. Lui, c'est le pasteur Ben. Moi, c'est le pasteur Padompo. Nous venons de l'église, cherchant des âmes perdues. Vous pouvez nous accorder une minute. Une minute, juste vous parler du Créateur, du Tout-Puissant. Vous entreprenez, mais ça ne marche pas. Ou bien? Ah bon? Non, c'est pas moi. Je pense pas. Vous n'avez pas fait des magasins et des boutiques et tout ça, et c'est tombé à l'eau? Eh oui, et puis quoi encore? Vous n'avez pas essayé de voyager, de partir en France, et on vous a arnaqué? Oui, c'est vrai. Mais comment est-ce que vous savez ça? Hey, c'est parce que l'esprit nous parle! L'esprit nous parle! Alléluia! L'esprit! Alléluia. Non, attendez, on ne va pas s'arrêter comme ça pour parler. Il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye. Pasteur, il faut qu'on s'asseye. Ok. Alléluia. Oh, qui c'est? Ah, l'esprit nous parle. L'esprit nous parle. L'esprit de Dieu, on va s'asseoir là. On va s'asseoir là. Oh, Jesus. Merci, Seigneur. Je sais que vous n'avez pas le temps. Vous êtes pressé. Mais on va aller un peu plus vite. Oui, c'est vrai. Vous avez un mari? Oui, un copain. C'est la même chose. Madame, s'il vous plaît. Ne dérangez pas l'onction, lui. Quand il dit quelque chose, dites oui seulement. Oui, c'est l'onction qui parle, l'onction de Dieu. On ne discute pas avec l'onction. On ne peut pas discuter avec l'onction. Ce monsieur, soi-disant votre mari, c'est pas votre mari. C'est pas votre mari. Si vous continuez comme ça, c'est la mort. C'est la mort. C'est lui qui bloque votre chance. C'est rien, c'est rien. Nous avons remède à ça. Nous avons notre église à la maison. Nous allons partir. On va prier pour vous. Mais pour cela, vous devez faire un don. Un don? Et de combien? De 500 000 francs. Alléluia. C'est pas beaucoup ça? Vous ne pouvez pas diminuer? On ne discute pas avec l'onction. C'est une histoire de moi, madame. Alléluia. Oh, Gizès. Ok. Vous allez me donner votre numéro. Le temps de réunir la somme. Mais là, vous n'avez rien sur vous. Vous mettez l'onction en assurance. Oui, il faut que l'onction soit sûre que vous allez revenir. Si, je vais revenir. Je vais revenir. Alléluia. Que Dieu vous accompagne. Que sa grâce soit sur vous. Oh, Jesus. Joe, comment t'as su que la fille elle avait un magasin? Mais quand tu la vois avec son sac et tout ça, tu sais qu'elle a l'argent? En plus, t'es assuré avec le mouvement de son voyage. Ah bon? C'est pas bon. T'es trop fort. Toutes les filles d'Abidjan veulent partir en France. Quand tu la vois, tu sais qu'elle veut partir en France. Mais celle encore ici là, c'est que ça n'a pas encore marché. J'ai dit, nous là, on va la faire partir au village. En France. On la fait partir au village. Sans transport. Sans transport. Elle va marcher d'ici Bogota. Tu connais Bogota? Bon, ok, ok. Là, on a fini avec elle. Elle va nous appeler, ça c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Maintenant, on doit passer un autre mouvement, tu vois. On ne va pas rester comme ça encore. Hein. Je réfléchis. Tu réfléchis? Oui. Ok, donc réfléchis. Hein. Réfléchis pour rester. Le Dijonctais@.